Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre semaine du 25 au 31 juillet 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous donc pour vos likes, donc n'hésitez pas à liker. Les commentaires sont désactivés pendant les vacances, c'est normal, c'est volontaire de ma part, donc c'est parce que voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour moi également, pour mes enfants. Qu'est-ce que je voulais dire également? Je reviendrai pour vos tirages donc mi-août, je pense. Donc troisième ou quatrième semaine de août. Donc voilà. De toute façon, n'hésitez pas à activer les notifications hein, pour avoir pouvoir lorsque les vidéos sont publiées. Donc voilà. Donc un grand merci donc à tous les abonnés et tous les futurs abonnés. Merci de votre présence et de votre soutien. Et on commence tout de suite, donc on va prendre un message du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Ok, pareil hein, pour les guidances personnalisées, c'est pas avant, vous verrez, hein, faudra aller sur le site. Dès que j'aurai mon emploi du temps qui sera prêt, je mettrai les dates, mais ça ne sera pas avant septembre, octobre, les prochaines disponibilités, hein, sans doute. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais prendre celle-là et je vais en prendre une autre. Ok. Alors. Le petit oracle des animaux de pouvoir aussi, on va aller chercher votre animal de pouvoir donc pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Ok, donc voilà. Allons-y, votre couleur, nous avons indigo, assez rare qu'on l'a celle-là. On vous dit, j'ai confiance en mes capacités intuitives, on vous dit de faire confiance en votre intuition, les cancers. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc, faites confiance, les cancers, en vos capacités intuitives, hein, pour prendre des décisions. Nous avons... Votre animal de pouvoir est le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent en vous. Mais là, on vous dit vraiment de vous faire confiance de toute façon. Nous avons le 6 d'épée. Moi, j'ai peut-être des cancers où vous êtes éloigné d'une personne ou une personne s'est éloignée de vous. Je pense que c'est plutôt vous, là, dans cette situation. Alors, ce message, on vous dit, « Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. » Ouais, on parle de créativité aussi, hein, d'être créatif hein, dans ce qu'on veut exprimer. Et nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on parle de peut-être avoir envie de convaincre une personne, des personnes... on a envie de communiquer, en tout cas, on a envie voilà, d'aller un petit peu à l'assaut, là. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. On parle là vraiment de couper avec le silence. J'ai peut-être des personnes qui avaient gardé le silence. On coupe avec ce silence pour vous,
les cancers. On va prendre le Magic Luna Love. On va faire un tirage en 9. Ensuite, on prendra le tarot médiéval. Et allons-y pour vous, les cancers. Vos messages. On parle de faire une demande officielle. Hein. Donc, officielle, ça ne veut pas dire devant le maire ou avec, mais on parle voilà, d'aller vers quelqu'un officiellement. On ne se cache pas. Hein. Ouais. Alors, pourquoi on est paranoïaque, là? En tout cas, on a envie de se projeter hein, dans une demande. On parle de construction. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, on a l'été, on a les signes du lion, du bélier et du sagittaire. On parle de prédateur. On a envie de se rapprocher. En tout cas, on pense hein, se rapprocher. Hein. On a envie de faire la paix. On a envie de nouer de voilà à nouveau un lien. Prédateur, là pour moi j'ai l'impression, ouais, on a peut-être l'impression que on n'est pas tout seul en fait. Hein. Autour d'une personne, on a peut-être peur qu'il y ait voilà, d'autres. Hein. On vous dit encore de garder confiance parce qu'il y a une attirance vraiment forte entre vous. Hein. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons pour vous les cancers. Nous avons le soutien, s'épauler, donc la lame 64. Hein, et on n'a pas, on parle de cœur brisé pour moi là. J'ai l'impression qu'on était dans une histoire... dans une relation, en fait, on était censé s'épauler, s'entraider, se faire confiance aussi. Et il y a eu une désillusion, il y a eu un cœur brisé. Il y a eu un cœur brisé. On parle de coup bas, d'avoir fait un coup bas. On parle de masque, hein, d'avoir porté un masque. Pour moi, là, j'ai une personne ou des personnes, une personne ou les deux. Hein. Y a eu des opportunités et on s'est limité. On s'est mis des barrières, on s'est mis des frontières, là. J'ai le 77 et le 56, hein, je ne sais pas pourquoi, peut-être vos départements. Et on parle parce qu'on a eu, voilà, la frontière, en fait, qu'on s'impose, ses limites, ses croyances. C'est on a eu peur en fait du changement. On a eu peur peut-être d'une distance. Ouais. Et pourtant, on a une harmonie qui revient. On a envie de se protéger hein, à nouveau. Il y a une déception parce qu'on devait se rencontrer et cette rencontre n'a pas eu lieu. Et il y a une invitation hein, qui ramène de l'énergie. On parle de retour et là de construire, de vraiment faire des projets. Alors, il y aura peut-être de l'instabilité. Il y aura des révélations. Hein. En tout cas, ouais. Il y a le passé qui revient par rapport à un certain entourage, par rapport à une relation là. Et on va bloquer en fait. Hein. On va garder des distances par rapport à cet entourage, j'ai l'impression. Alors, allons-y, tirage en 9 pour vous, les cancers. Ouais, il y a eu une déception, là. Donc, il y a eu une déception de l'une, alors, soit de vous, soit de l'autre. Vous voyez, hein, vous pouvez échanger, hein, moi, je...
J'essaye de faire de mon mieux. Moi, je pense que c'est vous, les cancers, là. Vous allez rompre avec un silence que vous aviez mis. Mais c'est peut-être l'autre également. Hein. Vous pouvez interchanger les énergies. Hein. C'est peut-être votre autre hein, qui avait instauré un silence avec vous. Hein. Alors, allons-y. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné celle-là. Donc, on parle de détermination, de persévérance. Je vois, hein, j'ai comme moi la sensation là, de devenir presque un prédateur parce que on pense à ce cadeau. Cette personne à qui vous pensez, c'était un cadeau. Mais on a coupé, on a mis un silence parce qu'on a eu peur du changement avec cette personne ou cette personne a eu peur du changement. Et on veut, en fait, là, on est déterminé, en fait, à retrouver ce cadeau. À... Ouais. En fait, il y a eu une certaine intelligence, en fait. Hein. On a repris des forces, on a peut-être réfléchi sur cette relation. Hein. On a peut-être aussi, également, émotionnellement, tout simplement était au-delà de nos peurs. Hein. Au-delà des conflits aussi intérieurs. Hein. Cette peur, en fait, du changement. Il y a eu un travail là-dessus, émotionnel. Hein, d'aller au-delà de ces peurs. Hein. Ouais, on a appris à lâcher prise, en fait. À retrouver cette liberté, en fait. Et à retrouver... cette légèreté en fait d'aller de l'avant, de voler en fait, hein, d'à nouveau voler. Hein, ouais, on parle de confiance, de retrouver sa confiance également. Il y a quelque chose, on parle de prédateur encore là. Quelqu'un qui est peut-être déterminé, hein, pas à laisser partir l'autre. Hein. Ouais, on parle d'un entourage instable là pour vous. Hein. Il y a un entourage instable. On parle que on va travailler en fait, pour moi là, à réouvrir ce cœur, à retrouver en fait cet amour en fait qu'on avait pour l'autre, qu'on a peut-être perdu parce que c'était un cadeau. Hein. On a bien vu, il y a cette notion de soit vous, soit de l'autre. D'une grande déception, hein. Une grande tristesse également, hein, parce que il y a eu un énorme silence. Hein. On parle d'être guidé de toute façon, d'écouter son cœur également. On a appris en fait là, on a appris à écouter son cœur également, et on a l'entourage familial. Alors, je vais recouvrir hein, le prédateur, hein, l'oracle. La stabilité également de l'entourage. Ouais. Il y a des révélations. En fait, il y a eu des révélations hein, en fait, hein, par rapport à ce cadeau que l'univers avait mis hein, sur votre chemin. La confiance. Ouais, il y a un réveil. Hein. Le temps est passé et puis avec le temps, en fait, vous avez réussi à retrouver votre confiance. Hein. J'ai le chiffre 35 pour certains. Peut-être votre âge. Hein. Pour moi, la prédateur, c'est pas forcément négatif. J'ai le chiffre 42. C'est pas forcément négatif, là. On parle de déplacement, quelque chose d'assez soudain, en fait. Hein. Pour moi, on est déterminé, en fait, à retrouver, en fait, comme si on avait, quelqu'un avait laissé, en fait, partir, en fait, l'autre avec quelqu'un d'autre. Et là, finalement, peut-être qu'on l'observe, en fait, hein, l'être aimé, hein, avec quelqu'un d'autre. Hein, du coup, ils sont bien. Mais là, on devient cette personne, en fait, qui veut récupérer, en fait, qui veut à nouveau être avec cette personne. Hein. Ouais, il y a de la stabilité et on a le retour, en fait.
Ce retour va créer de l'instabilité de toute façon dans son entourage. Alors, je vais continuer avec la clé, le cœur. Ouais, c'est la demande, la clé. Vous travaillez, vous savez en fait qu'il va falloir être direct, ou l'autre, hein, sait qu'il va falloir être direct, clair, et voilà, vouloir tout de suite, ben, voilà, faire une demande en fait vraiment officielle en fait. Il va falloir faire une demande officielle, hein, pour rouvrir le cœur de l'autre, parce que l'autre a sans doute perdu confiance également, ou c'est vous, hein. On parle d'être guidé en fait, oui, on va être guidé, il va y avoir une invitation. Vous allez partager un moment, vous allez vous rencontrer et on parle par rapport à l'entourage. Il va y avoir une réconciliation également. Des projets également. C'est super, hein? On se projette ensemble, hein? Il y a une grande réussite là. Ouais. On se projette pendant les vacances, moi j'ai envie de dire. Sans doute pendant les vacances, hein, où on va passer des vacances ensemble. Hein? Ça va être le premier projet, hein, de passer des moments ensemble. Et on parle alors. On a les signes des Gémeaux, des Balances, du Verseau. On parle de printemps également. Alors peut-être qu'on va projeter en fait, hein, faire le projet de passer des vacances ensemble le printemps de l'année prochaine. Hein, parce que c'est vrai que là, si on se réconcilie là sur la période, là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Et donc on va, mais là, on vous promet des vacances ensemble, en tout cas au printemps de l'année 2023. Au début, on va vouloir être discret, hein. Malgré que ça sera officiel, hein, ça sera officiel entre vous deux, j'ai l'impression, hein, on va vraiment poser en fait ce que l'un et l'autre on veut vraiment ensemble, hein, mais on va rester discret parce qu'il y a quand même des personnes qui vont, on avait ces, il y a cette notion quand même de prédateur, de personne qui surveille ou une personne qui peut vous surveiller également. Ouais. Cette personne, elle sait qu'il y a il y a un truc entre vous, hein. Il y a un truc qui peut que grandir en fait, hein. Ouais, voyez, vous allez faire attention, hein. Vous savez que voilà, il faut faire attention à ce qu'on peut raconter, ce que parce que voilà, il y a des personnes qui pourraient mettre voilà des obstacles, des difficultés dans votre relation, hein. Ouais, on pourrait même vous faire des coups bas. Donc, au début, vous allez vouloir être discret, mais vous en avez conscience de ça, tous les deux, j'ai l'impression. C'est, voilà, vous n'êtes pas, donc, vous allez être discret au début, hein. On parle de stabilité, de retrouver de l'énergie, sa stabilité. On parle de prendre une décision. On s'engage, voilà, à vivre à deux, à faire des choses à deux, à se projeter tous les deux. On parle de se découvrir, déjà s'engager aussi à se découvrir, hein. Et on parle, voilà, d'aller au-delà de ses croyances, de ses, des frontières, hein, tout simplement pour effectuer un déménagement ou tout simplement des changements. Hein. On se protège. En tout cas, là, ça y est, on s'apprête à se rapprocher. Hein. Quelle que soit la déception qu'il y a eu, il y a une certaine compréhension, nouvelle compréhension entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y en a un ou tout simplement tous les deux, pendant ce silence, en fait, avant ce silence, en fait, vous n'étiez pas prêt, en fait, pour un engagement. Vous ne vous sentiez pas prêt pour l'engagement. Vous n'étiez pas prêt, en fait, l'un comme l'autre, à bouger les choses autour de vous. Peut-être que vous étiez engagés tous les deux également. Hein. C'est sans doute ça, hein. Ou un, en tout cas. Il y a de toute façon, il y avait triangulaire sûrement. Alors, allons-y. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Le cavalier de deniers. Donc, on parle de. Voilà. On n'a pas voulu faire d'histoire, j'ai l'impression. Hein. On a pensé, en fait. Voilà. Peut-être que. Voilà. On a. J'en ai peut-être un des deux qui a voulu faire passer son travail, ses finances en fait en priorité finalement. Et pourtant, on voit bien que cette personne, hein, quelle que soit la personne, hein, qui a voulu faire passer son travail, ses finances, son matériel avant, à un moment en fait, il est guidé en fait à
à s'occuper de son cœur également. Ouais. Là, on parle de projet, de vouloir faire des projets, hein. En tout cas, d'être en mouvement voilà, hein. Donc, se projeter, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. On peut parler de coup de foudre qu'il y avait eu entre vous également. Par rapport au passé, on a évolué également, on me dit. On a évolué. On va de l'avant, on va se mettre en action, on va couper avec ce silence. Hein. Oui, parce qu'on veut débuter des projets avec l'autre. On a envie de protéger l'autre aussi. On a envie de faire son retour, hein. On sent que l'autre a besoin de notre protection. Parce que peut-être qu'elle est avec une personne un petit peu arriviste, un petit peu, hein. Une personne, comment dire, une personne qui a de l'emprise, hein, sur cette personne. Hein. Et on a envie de la protéger de cette personne. Hein. Et on a le triomphe en dos de deck, là. On a un triomphe par rapport à cela. Hein. Mais on ressent vraiment, oui, avoir envie de protéger l'autre. Je ne sais plus si j'ai coupé. Oui, j'ai coupé. Ouais. C'est pas grave, je recoupe. Je ne sais plus. On a cette reine de coupe, hein. Cette femme sensible, hein, qui a beaucoup de ressenti, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous aussi, j'ai l'impression. Ou vous, hein, vous avez beaucoup d'amour, hein. Et avec ce cap de coupe, on parle, on a raté sa chance en fait là en amour avec une personne, alors que c'était un cadeau, hein. On était trop sur le travail, hein. De vouloir gagner, voilà, gagner plus d'argent, on s'est dit, on s'occupe d'abord du matériel, de ce qui est sûr. J'ai envie de dire, en fait, pour nous, voilà, c'est, j'ai affaire à des personnes, l'amour n'était pas, en fait, du sûr. L'investissement n'était pas certain, en fait. Hein. On a préféré, voilà, le matériel, le financier. On a caché des choses. On a gardé secret certains, comment dire, certaines choses. J'ai le signe du taureau, du cancer également. On a gardé en fait les raisons cachées en fait. On n'a pas voulu dire la vérité à l'autre. Sur le silence, on n'a pas donné les vraies raisons en fait, hein. Alors c'est peut-être un rapport avec le financier également, hein, le matériel, hein. Alors tirage en 9, on va aller y voir, on va aller, oh j'ai un petit peu de mal y voir d'un petit peu, moi j'ai des personnes qui hésitent quand même à faire le, voilà, reprendre la communication, c'est pas facile, hein. On a des difficultés là. Ok. En centrale, nous avons. On a la persévérance, mais on a aussi également l'ermite. Donc, on parle du changement, d'aller vers le changement. En tout cas, on a cette notion que le temps, de toute façon, est son allié. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut. Voilà, il faut prendre aussi, hein, le temps, hein, pour le changement, accepter également, j'ai cette notion d'accepter le changement. J'ai le signe de la Vierge et du Capricorne.
Ouais. Et là, on a vraiment envie de tourner la page. On a vraiment finalement envie de quelque chose de nouveau. On a envie de transformer quelque chose, hein. On a vraiment envie d'un renouvellement, mais positif, là. Mais c'est un changement qui est assez long, en fait, hein. Ça a pris du temps, vraiment beaucoup de temps. Et on parle vraiment être dans des émotions, hein, de triomphe, parce que enfin, on n'a plus peur, en fait, d'aller vers l'inconnu. On n'a plus peur, en fait, de s'engager dans la nouveauté également, pour moi. Et le 6 de coupe, on parle de faire une déclaration. Il y a une personne qui va vous faire une déclaration ou vous allez faire une déclaration. J'ai toujours cette notion-là de troisième personne qui observe quand même, qui surveille. On a cette notion de protection toujours, hein, de protéger. Hein. Ouais, le prédateur. On a l'empereur hein, quand même à l'envers là. Attention, hein, tout de même, on sait qu'il y a peut-être une personne qui a une certaine emprise en fait. Ouais, on fait son retour et puis on se libère, j'ai envie de dire, on se débarrasse, on laisse tomber en fait. Il y a un soulagement grâce à ce retour. Il y a vraiment un grand soulagement là. Ouais, on veut officialiser parce qu'on a vraiment besoin de concret, on dit là. On veut plus de fausses promesses, il faut vraiment du concret également dans cette relation. Attention, hein, on se protège hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de coups bas, de critiques aussi. Il peut y avoir des critiques sur votre relation. Il y a un soulagement en fait, hein, vraiment. Il y a un gros soulagement par rapport à la dissension en fait, hein. Au fait de s'être éloigné, en fait, ce retour est vraiment un gros, grand soulagement pour vous, hein. On parle vraiment de se réunir enfin. On se débarrasse aussi de tout ce qui nous empêche d'avancer, de toutes ces obsessions, de toutes ces peurs également. De tous ces liens en fait qui nous enchaînent également. On s'arrête plus en fait à un obstacle, au fait qu'on peut rencontrer un, comment dire, on s'arrête plus sur, comment dire, sur le premier obstacle en fait rencontré. On est déterminé maintenant à aller vers la victoire. On se met en action, on se met en avant, on prend le chemin là. Hein. On veut évoluer. Hein. On veut se réconcilier. Hein. Il y a vraiment cette envie de vouloir se réconcilier en tout cas. Nous avons la justice. La justice, on parle de trouver son équilibre. En tout cas, on parle d'une situation qui va évoluer dans le bon sens pour votre relation. Il faut échanger, hein. On vous dit attention hein, à la communication qui ne pourrait pas être claire. Hein. Moi, j'ai aussi envie de dire trouver un équilibre aussi parce que bah, peut-être qu'on a fait des fausses promesses,
On n'a pas toujours été clair en fait. Hein. On a cette notion de dualité, hein, que un des deux en fait a reçu un coup de couteau dans le cœur directement. Hein. On se libère de toute façon, on va aller de l'avant. On va vraiment de l'avant là et puis on va vers le grand bonheur. On va faire à nouveau des projets ensemble. Hein. On se libère, en tout cas. Donc, on va prendre message de lumière. Donc, il y a réconciliation, il y a un triomphe. On va évoluer, mais ça a été assez compliqué. Et on parle toujours de toute façon, attention, il faut se protéger. Protéger votre relation. Hein. Il y a des personnes malveillantes hein, autour de vous tout de même. Hein. C'est pour ça qu'on a sans doute le serpent hein, également. Hein. Le serpent, c'est la mutation. Donc là, on a la mutation. Mais voilà, il y a quand même cette notion d'avoir un serpent ou des serpents autour de soi. Alors, je vais prendre trois lames. Donc, message. Alors, message de lumière, donc de Lila Yuri. En dos de deck, on vous dit que vous allez retrouver votre joie, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. La vie rit avec moi et pas de moi. Retenez ça en fait, hein. Il y a sans doute un message là pour certains. Mes peurs, on revient sur les peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je prends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. On a ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Mon jugement, à partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Donc, voilà les... Oh, ben, il y en a une qui était restée. Donc, je vais pas la prendre. Donc voilà, on va finir avec mon oracle, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc un message pour vous, les cancers, pour finir ce tirage. Donc pour la semaine du 25 au 31 juillet, on a le conseil fiable, on a entreprendre. Hein. Moi j'ai des cancers qui vont entreprendre hein, en tout cas. On a conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin, dont la concrétisation de cette idée. Donc voilà les cancers. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Très bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous les autres hein, qui travaillent. Encore un grand merci à vous tous. Hein. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous.